Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le28.tv. Le 5 octobre dernier a eu lieu au théâtre de Montargis l'élection de Miss Orléanais 2014. Comme vous le savez certainement, c'est la très jolie Solène Salmagne qui a été élue et qui a donc succédé à Flora Coquerel. Alors pour tous ceux qui n'étaient pas présents, ou même pour ceux qui y étaient mais qui souhaitent revoir l'élection, le28.tv vous propose dans son intégralité la vidéo de ce concours. L'élection Miss Orléanais 2014, c'est tout de suite. Bonne chance à tous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette 22e édition de Miss Orléanais. La seule élection qualificative pour le titre de Miss France, prétendante à l'écharpe du Miss France 2015. Applaudissements. Quel plaisir, chers amis, de vous retrouver chaque année aussi nombreux dans cette salle. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Elles sont toutes là, prêtes, en coulisses, partagées entre ce sentiment de joie, de stress et de désir de vous faire partager un moment magique et une soirée pas tout à fait comme les autres. Elles remettent ce soir leur destin entre vos mains, puisque d'ici quelques petites minutes maintenant, vous allez découvrir les 14 visages des prétendantes au titre de Miss Orléanais 2014-2015. Alors amis du Loiret cher et de l'Eure-et-Loir, je vous demande d'ores et déjà un tonnerre d'applaudissements pour les encourager. Allez-y sur les applaudissements, mon père, allez-y. Dans quelques heures, maintenant, nous saurons qui succédera à Flora Coquerel, Miss Orléanais 2013-2014, la toute première qui, l'an dernier, c'est important de souligner, a inscrit l'histoire du comité Miss Orléanais dans la grande histoire de Miss France en devenant votre Miss France. Alors, Flora, mesdames, messieurs, a été élue ici dans cette magnifique salle de Montargis. Et la bonne nouvelle, c'est que nous la retrouvons tout à l'heure en seconde partie de show. Voilà. Nous retrouverons Flora d'ailleurs en seconde partie. Elle sera accompagnée de ses deux dauphines, Miss, de la société Miss France pour le grand show de Miss France. Et nous aurons également l'immense plaisir de recevoir Sylvie Daillé, la directrice de la société Miss France, qui nous fait l'honneur de sa présence. Voilà, le comeback de Sylvie sur scène et de Flora, ce sera donc en seconde partie de ce gala. Mais pour le moment, hein, je pense que l'heure est venue, que l'instant, c'est maintenant. Il est temps pour vous de retrouver les 14 candidates finalistes au titre de Miss Orléanais 2014-2015. Et sans plus tarder, au nom du comité, je déclare cette 22e élection de Miss Orléanais ouverte et qui démarre maintenant. Thank you.
Elles sont toutes là, vous venez de découvrir les 14 prétendants du titre de Miss Orléanienne que je vous demande d'applaudir. Le stress, croyez-moi, est au rendez-vous pour elles. Elles ont travaillé pendant de longues heures pour vous offrir un spectacle de qualité sous la direction de Chanel, notre chorégraphe, avec la complicité de Joy. Voilà, deux anciennes Miss de l'Orléanais que je ne manquerai pas de vous présenter tout à l'heure. Le charme, la beauté, l'élégance et la jeunesse, voilà ce sous quoi cette soirée va être placée. Je vous demande de les voir, accompagnés en coulisses de vos applaudissements. S'il vous plaît, merci les voisins. Nous ferons plusieurs reconnaissances avec chacune d'entre elles d'ici quelques minutes, puisqu'elles viendront se présenter de vive voix à vous à l'issue de leur passage en robe de soirée. Tout, vous allez presque, chers amis, tout savoir sur chacune d'elles afin de vous aider à faire votre choix. Et j'ai envie de vous dire, faites le bon choix ce soir. Voilà. Je demande une nouvelle fois, s'il vous plaît, ça va leur donner du courage de les réapplaudir une nouvelle fois nos candidates. Alors, il ne peut y avoir d'élection régionale de cette importance sans la présence d'un jury exceptionnel. Laissez-moi donc, si vous êtes d'accord, vous présenter le jury des personnalités qui le composent, que je demande bien aussi d'applaudir. Notre jury est placé sous le contrôle de maître Jean-Marie Sellier, huissier de justice à Montargis. Nous avons la joie et le plaisir d'avoir la présidente d'honneur de ce jury, en la personne de Sylvie Tellier, directrice générale de la Société Miss France, qu'on peut applaudir. Sylvie rejoindra le jury tout à l'heure au moment des délibérations. Pour le moment, elle est en coulisses, en train de préparer, d'aider et de coacher aussi également les candidates de ce soir. Voilà. Nous avons également présent parmi notre jury Franck Supuisson, qui est conseiller régional, ancien directeur du cabinet ministériel. Bonsoir, Franck. Vous êtes également Franck adjoint au maire de Montargis. Vous représentez aujourd'hui Jean-Pierre Dor, député maire de Montargis, qui n'a pu malheureusement être présent parmi nous. Voilà, merci Franck d'être là. Nous avons l'immense plaisir également de recevoir dans ce jury Martine Griveaux, que je demande d'applaudir. Martine Griveaux, bonsoir. Vous êtes maire adjointe d'Orléans et vous représentez ce soir Serge Bois, qui n'a pu être présent, mais surtout, la ville d'Orléans, c'est vous. Et vous allez faire les enjeux, je crois, cette année, qui avez la chance, la joie et le bonheur de recevoir l'élection nationale qui aura lieu le 6 décembre prochain. Voilà, aux villes d'Orléans. Merci de votre présence. Martine Griveaux, qui est maire adjointe d'Orléans, donc je vous disais, fait partie de notre jury. Nous avons également, est-ce encore utile de vous le présenter ici à Montargis, monsieur Michel Duby, président du comité. Il est également Michel, vice-président national de la Fédération nationale des comités des fêtes de France, et il est l'heureux président de ce comité depuis 22 ans maintenant. C'était hier, Michel. Applaudissements pour Michel Duby. Isabelle Alexis, chargée de communication au cabaret, voulez-vous d'un gré nous fait également l'amitié de sa présence. Merci, Isabelle. Nous avons également membre de ce jury, M. Jean-François Bézère. On peut applaudir. Directeur de cabinet du député et président du conseil de l'agglomération montaroise. Voilà. Alors, aux côtés de Jean-François Bézère, nous avons le plaisir de recevoir Madame Émilie Hoffmann. Émilie Hoffmann. Oh ben, Émilie Hoffmann est à la caisse. Bon, Émilie Hoffmann va venir nous rejoindre d'ici quelques minutes. Je peux d'ores et déjà vous la présenter. Il s'agit de la directrice des magasins Afflelou de Montargis et d'Amélie, partenaire du comité Miss Orléanais. Afflelou, il est fou, Afflelou, Émilie Hoffmann va nous rejoindre dans quelques minutes. On peut l'applaudir. Voilà. Isabelle Marie, qui est la directrice de la communication de Corinne de Farm, partenaire officiel de Miss France, nous fait également l'amitié de sa présence ce soir. Merci.
Et puis, enfin, pour compléter et terminer la présentation de ce jury, nous avons le plaisir de l'avoir présente parmi nous. Il s'agit d'Alison Touzé, créatrice de mode et qui confectionnera la robe régionale que portera la Miss Orléanais que vous allez élire ce soir lors de l'élection de Miss France le 6 décembre prochain. Merci Alison. Le jury, chers amis, est important dans le cadre d'une élection, mais je vous rappelle que c'est vous, le public, qui allez décider et désigner votre future Miss Orléanais. Alors pour voter, rien de plus simple, hein, pas besoin d'envoyer un SMS ou d'appeler, mais juste d'inscrire le numéro de la candidate que vous souhaitez voir pour représenter votre région lors de l'élection nationale de Miss France 2015, le 6 décembre prochain, je le rappelle, à la ville, dans la ville d'Orléans. C'est vous, important, et uniquement vous qui allez désigner votre Miss. J'en profite pour faire un petit point sur le règlement, il me semble que c'est important. Je vous rappelle que la candidate qui va être élue Miss Orléanais et qualifiée pour l'élection Miss France sera celle qui obtiendra ce soir le plus de voix. Jusque-là, tout va bien ? C'est clair pour tout le monde ? Si la candidate arrivée en tête n'obtenait pas la majorité absolue des suffrages, c'est alors là qu'interviendra notre jury pour désigner l'élu parmi les 5 candidates arrivant en tête. La désignation de la Miss élue devra donc se faire à la majorité des membres du jury, le tout sous notre contrôle de l'Institut de justice, Jean-Marie Seignier. Voilà, pour le règlement, je pense que j'ai tout dit. Michel, vous me confirmez, je n'ai rien oublié ? Impeccable, merci beaucoup. Alors avant de retrouver nos 14 candidates finalistes et prétendantes pour le titre de Miss Orléanais, je souhaitais également saluer et vous présenter probablement, je dirais, les parents qui sont les plus heureux de l'année, de cette année 2014, puisqu'ils vivent, et c'est le moins que l'on puisse dire, une année 2014 qui sera inoubliable et à jamais gravée dans leur vie. Ils étaient ici, précisément, l'année dernière, juste à votre place, madame. Effectivement, ils étaient ici il y a 364 jours. Nous avons le plaisir de les avoir parmi nous ce soir. Il s'agit des époux Coquerel, Séphie et Frédéric, les parents de Miss France de Flora qui sont là. Que je vous demande d'applaudir. Voilà. Je sais pour eux c'est une soirée un petit peu particulière. Et puis alors en plus, ils ne sont pas venus seuls, puisque Cédric est également présent. Alors, désolé, hein, je tiens à préciser tout de suite, pour les aficionados d'une certaine presse dite Club People, et Cédric n'est autre que l'heureux et ô combien heureux frère de Flora, que je lui demande également d'applaudir. La famille Coquerel est avec nous. Merci à vous, merci beaucoup. Que je vous propose, sans plus tarder, juste avant de retrouver nos candidates et de découvrir tous ensemble une grande partie des cadeaux qui vont leur être offerts grâce à la générosité de nos partenaires. Alors ce soir, Cléo Esthetica de Scénographie, signée Chanel, est voici Montargis, sous vos applaudissements dans le cadre de cette 22e édition de Miss Orléanais. En direct de cette magnifique salle des fêtes, nos 14 prétendantes au titre. Le discours. There are thousands of miles.
de devenir dans la prochaine histoire de la mer au sein de votre province. Le 6 novembre prochain, en direct de TF1, depuis 18 ans, vous pouvez les appeler plus fort que ça. Mon argent, s'il vous plaît. Les 14 pour les jeunes femmes du Loiret, de la mémoire, du Loiret et Chasson, qui signent pour nous. Applaudissements. À notre membre du jury, Martine Griveaux, qui est adjointe au maire d'Orléans, dites-moi un petit peu justement ce que vous pensez des 14 prétendants en lice qu'on vient de découvrir. Si on peut vous donner un micro, Martine. Bonsoir à toutes et à tous. Elles sont toutes les 14 magnifiques. Je crois que le choix va être énormément difficile. Mais bon, je crois que ce public très très nombreux va nous aider à faire le bon choix. On l'espère, c'est à eux en tous les cas de faire le bon choix. Sans plus tarder, j'ai demandé si vous êtes d'accord, chers amis du public, afin d'un petit peu à mieux les connaître, je vais demander à la candidate qui porte le numéro 1 de venir nous rejoindre. Voulez-vous vous présenter, candidate ? Afin de devenir infirmière en juillet prochain. Durant les week-ends, j'exerce la profession d'aide-soignante à domicile auprès de personnes âgées. Et durant le reste de mon temps libre, je fais de l'éducation, plusieurs fois par semaine, et de la clinique. Si je me suis présentée à cette élection, c'est d'abord pour pouvoir vivre une expérience familiale, c'est chose faite, et apprendre beaucoup sur moi-même et sur les autres. Et maintenant, si j'ai la chance de pouvoir représenter la région, j'aimerais mettre à profit le titre pour des causes qui me tiennent à cœur dans le domaine des soins et de la santé, comme la lutte contre les cancers et le don du sang. Eh bien, merci beaucoup, Mme Bayol. Merci. Elle porte le numéro 1, il s'agit de Chloé, qui est à 21 ans et elle vient de Beaucourt dans le Loiret. Sans plus tarder, faisons connaissance avec la candidate qui porte le numéro 2. Bonsoir, qui êtes-vous ? Bonsoir, j'ai 20 ans, j'habite à Fontaine-la-Million, dans le Loiret, près de Chartres. Je suis en école de BTS Management des Sciences. Excusez-moi, vous un tout petit peu plus fort, ou si nos amis du son peuvent monter un petit peu plus le volume sonore, on ne vous entend pas très bien. On va reprendre, d'accord, hein? Candidate numéro 2, bonsoir, qui êtes-vous ? Bonsoir, je m'appelle Victor Davoury, j'ai 20 ans, je vis à Fontaine-la-Guillon, dans l'Eure-et-Loire, près de Chartres. Je suis en BTS Management des unités commerciales. Donc voilà, si je suis ici, ça serait pour représenter aussi bien que Flora l'a fait pour représenter la France. Donc voilà, maintenant je vous laisse le choix parmi les 14 candidates que vous avez devant vous. Donc voilà, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Et que, voilà. Merci beaucoup. Elle porte le numéro 2. Elle s'appelle Victoire Carbonie, elle est âgée de 20 ans. Et elle lui vient de l'Eure-et-Loire, qui est précisément le fondé de la ville. Bonsoir, candidat numéro 3. Bonjour à tous, je m'appelle Maëva Tesso, j'ai 24 ans et j'habite à Nogent-le-Roi, près de Chartres, en Eure-et-Loire. Je suis diplômée depuis un an éducatrice spécialisée. C'est un métier qui me passionne pour les rencontres humaines qu'il me permet de faire. Il m'apprend aussi beaucoup sur l'importance de mesurer chaque instant à son degré que nous offre la vie. Le 5 octobre aujourd'hui me rappelle l'élection dernière passée aux côtés de Flora, et aussi la lutte contre le cancer du sein qui est soutenue durant les mois d'octobre rose et à laquelle j'ai été confrontée dans ma famille proche durant l'année écoulée. L'aventure d'Émile, c'est une aventure magique et humaine qui fait rêver petits et grands. Lors de ces événements, nous oublions tous nos petits ou gros soucis du quotidien. Lors de précédentes élections, j'ai pu dire comme une chanson, j'ai des formes et des rondeurs, mais ça sert à réchauffer les cœurs. Et bien sûr, mon coup de rien, mais peut apporter beaucoup. Merci.
aujourd'hui, je serais fière de pouvoir représenter notre région, marcher sur les pas de Flora et pouvoir véhiculer des valeurs humaines qui me tiennent à cœur, telles le partage, la rencontre et l'échange. Donc j'espère que vous aurez la possibilité de pouvoir participer un petit peu plus à cette magie et vous offrir un petit peu de ma personne. Merci beaucoup pour votre écoute, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, madame. Je vous remercie pour votre plaisir. Merci. J'accueille sans plus tarder la candidate numéro 4. Bonsoir, qui êtes-vous ? Bonsoir à tous, je m'appelle Floralie, j'ai 18 ans, je viens de Brou en Maine-et-Loire. Je suis actuellement en terminale littéraire et j'envisage de vivre de ma passion en poursuivant des études de mode, plus particulièrement dans le stylisme et le conseil en images. Je suis bénévole depuis peu dans l'association caritative et Restaurant du Cœur. Je suis très fière d'y accomplir de très bonnes actions. Je suis ici cet après-midi, je tente ma chance à ce concours de Miss Orléanais afin de représenter avec élégance notre belle région au concours Miss France, mais également pour faire la fierté de mes proches et de réaliser mon rêve, car il faut faire de sa vie un rêve et de son rêve une réalité. Je vous souhaite un très très bon spectacle. Merci beaucoup. Bravo. Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Sophie Gérard, j'ai 24 ans, j'habite à Chartres et je suis conseillère clientèle dans une banque. En dehors de mon métier, j'aime pratiquer le fitness en salle, ça me permet de me vider l'esprit et également de m'entretenir pour un cours ce soir. Je me présente ce soir puisque je pense partager les mêmes valeurs qu'une Miss. Je suis quelqu'un d'avenante, j'aime aller aussi au contact des gens. J'ai eu l'occasion de découvrir les Eurébiens pendant une année. Je souhaite maintenant venir vous voir dans le Loiret et le Loir-et-Cher. Je suis aussi quelqu'un de dynamique, sportive. J'aime vivre, bouger, sortir et vivre de nouvelles expériences surtout. Il y en a une qui m'a particulièrement touchée l'année dernière. J'étais bénévole pour le Téléthon. Et j'ai pu découvrir énormément l'extrême sympathie des bénévoles tous unis pour la même cause. Et enfin, je suis quelqu'un de souriante, car comme on dit, souris à la vie et la vie te le rendra. C'est sur cette expression qui me qualifie que je termine mon discours. Je vous souhaite une belle soirée et bon courage pour les votes, car on mérite vraiment toute notre place ce soir. Merci. Merci beaucoup. Elle porte le numéro 5, il s'agit de Sophie Gérard, à 24 ans, et elle vient de Chartres, dans l'Oregon. Et si nous faisions connaissance avec la candidate qui porte le numéro 6 maintenant, c'est à vous. Bonjour à tous, je m'appelle Charlotte Monterre, j'ai 18 ans et j'habite à Chaudon, dans le Maine-et-Loire. Je suis actuellement en première année de licence droit éco-gestion. En dehors, je fais de la danse et du piano depuis 10 ans et tout ce qui est associatif me tient beaucoup à cœur. C'est pour cela que j'essaie de m'investir au maximum dans l'UNICEF et le don du sang par exemple. Être Miss, c'était à la base un rêve de petite fille, d'enfant, mais qui au fur et à mesure mûrit avec moi. Et c'est pour cela que je serai très honorée de représenter la région orléanaise lors du concours Miss France, qui est une incroyable et enrichissante aventure. J'en profite aussi juste pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma petite sœur aujourd'hui, car je n'ai pas eu l'occasion de la voir. J'espère que vous passez une très bonne après-midi et merci à tous. Merci beaucoup et bon anniversaire à elle.
Elle porte le numéro 6. Il s'agit de Charlotte Gutter. Elle a 18 ans. Et elle nous vient de Chabot, à Bordeaux. Nous sommes quasiment à mi-parcours. Je vous propose sans plus tarder de faire connaissance avec la candidate qui porte le numéro 7. C'est à vous. Bonjour à tous, je m'appelle Morane Grandvilliers, j'ai 24 ans et j'habite à Orléans. Je suis d'origine guadeloupéenne. Mon métissage reflète assez bien la mixité de la société actuelle. Je suis infirmière en psychiatrie depuis bientôt 4 ans. Je travaille en unité de soins pour adolescents. Ma profession m'enrichit chaque jour et m'amène à côtoyer des personnes d'origine sociale et culturelle différente. De plus, je suis passionnée par l'équitation, sport que je pratique au quotidien depuis à peu près 10 ans. J'ai d'ailleurs pu participer au championnat de France cet été. Je m'adonne également à la Zumba et au fitness dès que j'ai un peu de temps libre. Et je suis aussi bénévole au sein de la SPA. Que ce soit dans mes loisirs ou dans ma profession, j'aime être en relation. Et pour moi, être heureuse, c'est ça, aller vers les personnes, partager et s'enrichir au contact des autres. Je serai donc très fière ce soir de représenter l'Orléanais au concours Miss France et j'espère l'emmener le plus loin possible. Merci de votre écoute et bonne fin d'après-midi. Eh bien, tout est dit. Merci beaucoup. Elle porte le numéro 7. Il s'agit de Morane Grandvilliers. Elle a 24 ans. Elle vient d'Orléans, dans le Loiret. J'accueille maintenant, si vous le voulez bien, la candidate qui porte le numéro 8. C'est à vous, mademoiselle. Bonjour à tous, je m'appelle Cassandre Joris, j'ai 18 ans. J'habite à Pralé, un petit village d'Eure-et-Loire. Je suis étudiante en dernière année de bac pro esthétique. Par la suite, j'aimerais faire un BTS esthétique cosmétique pour devenir professeure dans ce domaine. Je me présente à l'élection orléanais, car participer à l'élection de Miss France est pour moi un rêve de petite fille. De plus, succéder à Flora Coquerel serait vraiment un grand honneur. Je pense avoir les qualités nécessaires pour représenter au mieux notre région. Mon père, ancien marin et actuellement maire de ma commune, m'a transmis des valeurs de le sens de l'honneur et du devoir. Et ma mère, qui élève des enfants de l'aide sociale à l'enfance, m'a transmis la générosité et l'entraide. J'espère que vous passez tous et toutes un très bon moment en notre compagnie et espère vous avoir convaincus. On passe un excellent moment. On l'accompagne vivement de la première porte de numéro 8. Il s'agit de Cassandre Joris. Elle a 18 ans et elle est allée produire dans le Loiret. Numéro 9, c'est à vous. Voulez-vous vous présenter au public l'Ontarois, s'il vous plaît? Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Mélanie Marquet, j'ai 18 ans. J'habite au Port, petite commune du Loiret. Je suis actuellement en première année de licence langue étrangère appliquée anglais, espagnol, chinois. Plus tard, je souhaiterais rentrer dans la garde républicaine à cheval ou devenir interprète. Comme vous avez pu le deviner, je suis passionnée d'équitation, mais aussi de boxe. Pour moi, la boxe, c'est un moment de détente et de refoulement qui permet de me canaliser et c'est aussi une grande famille comme une bière tennis. Je participe à ce concours car c'est pour moi un rêve de petite fille et c'est aussi le rêve de mon grand-père qui un jour a dit « Je dois avoir une petite fille qui fasse Miss France ou joue de l'accordéon. » Mais personnellement, je préférais faire Miss France. Excusez-moi. De plus, je vous souhaite de passer une agréable soirée, de passer un bon moment avec nous et bonne chance à toutes les candidates. Bravo, merci, Mélanie, merci. Le ring de Miss Orléans est à vous. Voilà, allez-y. Elle porte le numéro 9. Elle s'appelle Mélanie Martin. Elle a 18 ans. Elle vient de cette jolie commune du Bord, du Loiret. Eh bien, c'est à nous, candidate numéro 10. Ils sont à vous, ils veulent tout savoir.
Bonsoir, je m'appelle Laura Mélé, j'ai 20 ans, j'habite à Orléans dans le Loiret. Je suis étudiante en master d'histoire. Et d'ailleurs, si j'étais élue Miss Orléanais, j'aimerais vraiment m'investir dans la commémoration de la Grande Guerre, car c'est une grande année cette année, puisque c'est le centenaire. Donc j'espère que vous passerez un très bon spectacle, et puis à bientôt, je l'espère. Et vous êtes bien, vous pouvez l'applaudir. Elle porte le numéro 10, elle s'appelle Laura Lille et elle a 20 ans et elle vient d'Orléans dans le Loiret. Candidate numéro 11, voulez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Marie-Céline Montaz et j'ai 24 ans depuis hier. Je suis passionnée d'équitation et j'ai pratiqué le saut d'obstacle en équipe de France plusieurs années. J'aime également les voyages et le piano que j'ai pratiqué au conservatoire à Orléans. Je suis interne en médecine, spécialisée en médecine nucléaire. Je commence cette formation dans une nouvelle ville, mais j'ai décidé de me présenter à Miss Orléanais car c'est la région qui m'a formée, la région où j'ai grandi et qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Et je serai très honorée de pouvoir la représenter. Donc je vous souhaite une excellente après-midi et une très bonne élection Miss Orléanais à tous. Merci beaucoup. Elle s'appelle Marie-Céline Montaz-Roussier, elle a 24 ans depuis hier et on vient d'Orléans dans le Loiret. J'accueille maintenant la candidate qui porte le numéro 12, c'est à vous. Alors bonjour à tous, je m'appelle Kadiatou Ouattara, j'ai 18 ans, je vis à Pierrefitte-sur-Saône. Je suis actuellement en première année de classe préparatoire économique en vue de faire une grande école de commerce et voyager à travers le monde. Participer à la Miss Orléanais, c'est une expérience enrichissante qui nous permet de découvrir un autre univers que celui qu'on peut avoir au quotidien. Et donc je suis très heureuse de participer à ce concours ce soir et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci beaucoup. Elle porte le numéro 12, elle s'appelle Kadiatou Ouattara, elle a 18 ans, elle vient de Pierrefitte-sur-Saône, en Loire-et-Cher. Sans plus tarder, faisons connaissance avec la candidate qui porte le numéro 13. Bonsoir, qui êtes-vous? Je me présente, je m'appelle Laura Priou, j'ai 19 ans et je suis originaire de Montargis. Donc, curieuse et passionnée, j'entreprends une formation linguistique qui me permettra, je l'espère, de découvrir d'autres horizons. Si nous sommes tous réunis ce soir, c'est dans l'espoir de remporter la couronne de Miss Orléanais et donc de vivre une merveilleuse aventure. Excusez-moi. Une merveilleuse aventure et moi je ne pense pas qu'être Miss c'est simplement avoir une couronne et une écharpe, au contraire. Je pense que c'est un engagement, celui de vivre un rêve en partageant avec les autres, vraiment. Et aujourd'hui me retrouver parmi vous c'est un grand bonheur pour moi et c'est pour ça que je vais continuer de vivre ce bonheur avec vous. Donc merci beaucoup et passez vraiment un excellent moment. Merci beaucoup. Elle porte le numéro 13, elle s'appelle Laura Priou. Elle a
Et quand j'ai 19 ans, je ne viens pas de mon mental, j'ai eu plutôt de vivre dans le Loiret. Voilà. Et enfin, je vous propose, je crois que c'est pas la place la plus facile, mais en tout cas de terminer avec la candidate qui porte le numéro 14. Bonsoir. Bonjour, j'espère qu'on passe tous une agréable après-midi. Je m'appelle Solène Salman, j'ai 19 ans, je suis étudiante en tourisme. J'habite Nogent-le-Roi, en Eure-et-Loire. Dans la vie, j'aime voyager, je suis très curieuse et je suis toujours partante pour découvrir de nouvelles choses. Et je pense que si je suis là ce soir, c'est un petit peu pour ça aussi, cette après-midi, pour découvrir chaque personne de la région orléanaise et les différents intérêts de chacun. Mais également pour en être le sourire et l'ambassadrice pendant un an. J'ai déjà eu l'occasion de m'investir dans de différentes associations, notamment avec l'ADOT au niveau du don d'organes, l'ADOC au niveau du cancer, et le don du sang. Et si j'étais élue, je serais très heureuse de permettre à des associations de voir le jour ou de grandir. Profitez bien de la fin du spectacle et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci à vous. Elle porte le numéro 14, elle s'appelle Soleil Salman, elle a 19 ans. Elle vient de Nogent-le-Roi, en Eure-et-Loire. Je vous demande Montargis, s'il vous plaît. Les applaudir très très fort, les 14 prétendants au titre de Miss Orléans. Applaudissements. Que nous avons ce soir pour les départager. J'aimerais pas être à votre place et pour être tout à fait franc avec vous, je préfère d'ailleurs être à la mienne. Dans quelques heures, maintenant, nous serons laquelle de ces candidates rentrera dans l'histoire du comité Miss Orléanais. Je vous demande, s'il vous plaît, Montargis, de les rappeler une nouvelle fois très fort. Ça va leur faire plaisir.
bien. Ça va les encourager puisque dans quelques minutes, hein, nos prétendantes reviendront pour un troisième passage, cette fois un tableau en tenue balnéaire. Alors, vous savez que Miss Orléanaise n'est pas qu'un joli visage féminin, c'est aussi dans l'ombre de ce titre un visage masculin. Un visage masculin est ô combien connu ici dans l'Orléanaise. Ce visage masculin est important dans l'histoire de ces élections. Je l'attends pour ces mots si gentils, pour l'humanisme qui me m'a droit au cœur, comme tu l'imagines. Il est vrai que je suis un président heureux puisque le bébé que j'ai mis au monde il y a 22 ans est aujourd'hui plus que majoritaire, parce qu'il a atteint grandement la majorité. Exactement. Et notre bébé de 22 ans ce soir, on espère qu'il sera comme celui qui l'a précédé, c'est-à-dire celle qui va succéder à Flora. On compte sur le public, on compte sur le jury. Je rappelle que c'est un concours, et qui dit concours dit une gagnante. Et je vous demande ce soir d'avoir les yeux pour celle que vous enverrez à Orléans le 6 décembre et qui représentera, je l'espère, l'Orléanais le plus magnifiquement possible, voire être sélectionnée dans les 12 et peut-être dans les 5, voire plus haut. Mais ça n'est jamais arrivé. On lui souhaite en tout cas le même destin qu'a connu Flora ici l'année dernière, si jamais, hein. Peut-être qu'on peut redoubler et réécrire la suite de cette belle histoire. En tout cas, justement, Michel, je vais revenir un petit peu avec vous. Je pense que les gens ce soir se posent la question, comment on vit en tant que président de comité Miss Orléanais, de voir, ça fait 22 ans que je travaille pour ce comité, de voir justement votre Miss et l'Unis France. Cette année, vous l'avez vécu, comment vous la vivez, comment on perçoit ces choses? Qu'est-ce que, si je vous demande de retenir un souvenir, un moment, une image, ce sera laquelle? C'est un moment extraordinaire. Lorsque l'année dernière, à ce même endroit, je remerciais le public d'avoir élu Flora, j'étais pratiquement persuadé qu'elle allait monter sur une des trois marches. Et dès le lendemain, sur les réseaux sociaux à travers toute la France, grâce à Marine L'Orphelin, qui était la Miss France de l'an dernier, grâce à Marine qui, le soir même, lançait sur les réseaux sociaux qu'elle avait assisté à une élection exceptionnelle dans l'Orléanais, je pense que ce soir, nous pouvons revivre le même événement. Comment le vivre? Je suis allé à Dijon, bien sûr. Les délégués, les 33 délégués vont soutenir leur Miss là où elle est élue, où elle suppose devenir Miss France. J'étais dans les premiers rangs, bien sûr, mais les 33 délégués, quand Jean-Pierre Foucault a laissé la parole au jury, au président du jury, qui était Garou. Vous rappelez ce qu'il a dit d'ailleurs. Deux Miss Orléanais pour un tableau balnéaire de folie à porter les maillots de bain de la société Miss France. Place au charme, à l'élégance, à la féminité et à la sensualité, le tout saupoudré de rêve et de magie. Voici, sous vos applaudissements, les 14 candidats finalistes à l'élection de Miss Orléanais 2014-2015. Merci Michel, merci beaucoup.
mon montage, s'il vous plaît, une vague d'applaudissements pour nos 14 candidates. 14 candidates au titre de Miss Orléanais, bravo. Bravo et félicitations, mesdemoiselles. Parce que je vous rappelle qu'elles ne sont pas professionnelles, hein. Elles ont travaillé pendant de longues heures pour préparer ce show. Bravo, vraiment bravo à vous, c'est d'un niveau excellent, je pense que vous êtes d'accord. On peut nous rappeler que nous une fois très fort, merci, s'il vous plaît. Je vous espérais que vous avez bien regardé, que cela va vous aider à affiner votre choix, chers amis du public, car je vous rappelle que c'est vous qui allez désigner ce soir qui est la plus belle et qui vous souhaitez voir sur la scène du Zénith d'Orléans et succéder surtout à Flora Coquerel qui l'an dernier était ici sur cette scène à leur place. Voilà. Quelques applaudissements encore bien mérités, bien soutenus aujourd'hui. S'il vous plaît, merci pour elle. On va les retrouver une toute dernière fois d'ici quelques minutes, justement pour un ultime et dernier passage. Anthony Bannière également, je vous en dirai un petit peu plus d'ici quelques petites minutes. Voilà. Alors, je ne sais pas si votre choix, en tout cas, se précise du côté du public. Je ne sais pas si le choix des coups de cœur apparaissent du côté de notre jury. Mais justement, je vais en profiter pour donner la parole à Alison Touzé. Alison Touzé, je vous demande d'applaudir. S'il vous plaît, public. Je vous invite la technique, on va remettre un petit peu de lumière pour éviter que je trébuche, ce serait super. Merci beaucoup. Alison, que je vous présente, mesdames, messieurs, qui est créatrice de mode, qui va offrir, tenez-vous bien, une robe sur mesure à la future Miss Orléanais. Et c'est surtout Alison qui va créer la robe régionale, le costume régional dit folklorique, qui présentera l'Orléanais lors de l'élection du 6 décembre prochain sur TF1. Voilà, alors justement, Alison, dites-moi, à l'issue de ce passage, vous qui avez l'habitude de faire des défilés, de voir des modèles, est-ce que justement vous avez une petite préférence? Est-ce que vous avez une petite préférence, Alison? Excusez-nous. Michel, ne vous inquiétez pas, on vous a prévu un deuxième passage en maillot de bain. On vous en a prévu un deuxième. Vous inquiétez pas. Mais écoutez, je trouve qu'elles sont toutes très jolies et qu'elles se débrouillent très très bien pour des jeunes femmes qui n'ont jamais défilé. Donc voilà. Oui, il y a des préférences, hein, mais voilà. Vous avez votre 3-4 se dessiner pour vous parmi les 14 candidats? Oui. Oui. Je peux? Non, je ne montrerai pas lesquelles. D'accord. Très bien. En tout cas, Alison, je vous remercie. Puisque ce soir, au sein de notre jury, c'est vous, effectivement, qui allez offrir un très beau cadeau pour la future Miss Orléanais. Mais ce n'est pas tout, puisque Alison est également à l'origine du prochain tableau, mesdames, messieurs, que vous allez voir ici quelques petites minutes sur cette scène. Alors, sans trop en dire, Alison, en deux, trois petits mots, un petit peu, qu'est-ce qui attend le public de Montargis d'ici quelques petites minutes avec ce prochain tableau? J'ai été peut-être trop au courant, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai créé des robes que j'ai prêtées aux anciennes Miss Orléanais. Exactement. Alors, on ne va pas trop en dire, vous savez quoi, Alison, puisque nous l'avions évoqué tout à l'heure avec Michel, qui était sur cette scène. Les Miss, vous savez, c'est une grande famille. Les Miss, c'est une grande famille, et je vous propose donc, justement, de réouvrir ensemble le livre du comité Miss Orléanais, retrouver certains visages qui nous sont peut-être familiers ici, en tous les cas, qui ont marqué le comité. Accueillons ensemble, si vous voulez bien, sous vos applaudissements, celle qui a défendu les couleurs de l'Orléanais à Limoges lors de l'élection de Miss France 2013. Elle est aujourd'hui, au sein du comité Miss Orléanais, l'un des piliers des étapes de présélection des candidats, croyez-moi. Et croyez-moi surtout, elle a énormément de flair, l'œil et de l'audace. Voici, sous vos applaudissements, Miss Orléanais 2012, Joy Lartigue. Joy, bonsoir. Bonsoir, Joy. Vous savez quoi, j'ai laissé mon micro et je vais tout de suite aller chercher l'autre en coulisses. Joy, soyez la bienvenue, quelques mots, vous, qui êtes Miss Orléanais 2012 et qui maintenant avec nous place très importante au sein du comité au niveau des présélections. Je vous laisse en dire un petit peu plus à nos amis du public. Bonsoir à
Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous passez une très bonne soirée. Ça a été beaucoup de travail. On a d'abord commencé par une présélection qui s'est effectuée il y a 15 jours. Je peux vous assurer qu'elles sont toutes très très motivées ce soir. Ça va être difficile le choix, elles sont 14. Elles ont toutes la qualité pour être élues Miss Orléanais. Malheureusement, seulement une sera élue ce soir. Mais sachez que cette aventure crée des liens qui sont vraiment juste uniques et exceptionnels. Vous en êtes la preuve, effectivement. Oui. Rien que déjà sur les élections régionales. Et après, la jeune femme qui sera élue aura aussi un très grand lien avec les anciennes Miss Orléanais. On forme une famille, c'est vrai, c'est le cas de dire. Et quel souvenir, vous, est-ce que vous conservez de cette aventure de Miss France, justement, le plus beau souvenir que vous ayez eu? Que vous ayez, c'est quoi? Est-ce que c'est le voyage à l'île Maurice lorsque vous avez fait les étapes de préparation de l'élection? C'est quoi que vous retenez de cette aventure quelques années plus tard? Pour moi, on retient tout, en fait, parce que quand on entend une musique qui passe à la radio... On se dit pas, genre français. C'est ça. On se souvient qu'on l'a entendu le soir de l'élection. Et on a les crises, enfin, c'est vrai que ça donne... Il y a toujours quelque chose qui nous rappelle, en fait, ce qu'on a vécu pendant notre aventure. Et c'est vrai que ce soir, je suis là avec beaucoup d'émotion, parce que la première région, c'est que Flora rend sa première écharpe. On est tellement fiers d'elle, elle nous a tellement touchés, on est très très fiers de notre Miss France. Donc j'espère que vous lui ferez vraiment un accueil chaleureux. Et la deuxième, parce que les candidates, j'ai appris à les connaître, et du coup, pour moi, je pense que je ne suis pas tout à fait objective. Donc j'espère que vous saurez faire le bon choix et dire celle qui est aussi belle intérieurement qu'extérieurement. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous. Bon appétit. Jeanne Martine, Miss Orléans 2012, que vous avez vu par Constant TV. Merci, merci beaucoup. Continuons notre découverte du savoir-faire d'Alison, notre créatrice de mode, en découvrant cette fois une autre que de ses créations, portée par une autre Miss du comité Miss Orléanais. Elle s'est classée 8e, je crois que c'était à Caen, si ma mémoire est bonne, hein, lors de l'élection de Miss France 2011. Elle est aujourd'hui la chorégraphe du comité. Voici, sous vos applaudissements, Miss Orléanais, pardon, 2010, Chanel A. Bonsoir Chanel. Bonsoir à tous. Tout d'abord, eh bien, merci pour cette jolie robe qu'on porte ce soir. Merci aussi d'être venus aussi nombreux pour une élection de Miss Orléanais. Une de plus, une qui fait toujours chaud au cœur, surtout que cette année, Flora a été Miss France. Et c'était réellement notre plus beau cadeau, c'était notre trophée à nous. Voilà. Merci également à l'organisation Miss France de nous accorder autant de confiance et de continuer d'année en année à faire rêver toutes ces jeunes femmes, à leur faire passer une expérience qui est inoubliable, je vous assure, parce que même après 4 ans, on s'en souvient encore, voilà. Et puis, je pense que Cendrillon est la preuve qu'une paire de chaussures peut changer une vie. Et l'organisation Miss France est la preuve qu'une couronne peut changer un destin. Voilà. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Merci Chanel. Merci beaucoup Chanel. Miss Orléanais 2010. Supplémentaire, s'il vous plaît, pour notre chorégraphe. Merci. Allez, terminons ce petit tour d'horizon de la collection d'Alison Touzé, notre créatrice, avec cette fois celle qui a partagé l'aventure Miss France aux côtés de Sonia Roland lors de l'élection nationale qui se tenait, je crois, à Cannes. Alors, elle n'est pas devenue Miss France 2000, mais reste, croyez-moi, incontestablement l'une des Miss Orléanais qui a marqué l'histoire du comité. Elle est aujourd'hui l'un de ses piliers aussi, en assumant les relations publiques du comité Miss Orléanais. C'est un véritable bonheur, et là je parle au moment de travailler avec elle depuis plusieurs années, et depuis 14 ans, croyez-moi, elle n'a pas changé, sauf la longueur de ses cheveux. Je vous demande d'accueillir Miss Orléanais 2000, Delphine Deschamps.
Orléanaises. Je crois que vous avez plein de choses à nous dire, puisque il me semble savoir, si je ne m'abuse, que l'agenda de la future Miss Orléanaise est déjà bien chargé. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai qu'avec le couronnement de Flora en décembre dernier, le comité Miss Orléanais a dû prendre un autre tournant. Et je remercie Monsieur Durie de m'avoir un peu mis en termes de délégation sur les partenariats, notamment avec les associations, et je repense également à l'association pour la lutte contre le cancer du sein, donc la 41, pour lequel on a essayé de faire des manifestations. D'autres charges également avec l'organisation de l'élection de Miss Loire-et-Cher, l'élection de Miss Loiret également au Galerie Lafayette, et avec effectivement après coup, après ce gala de ce soir, un agenda très chargé pour notre Miss Orléanais avant qu'elle ne parte à Miss France. Notamment, elle sera dès demain matin dans l'émission matinale de Vibration entre 7h et 8h30. Tous à l'écoute de Vibration, Orléans demain entre 7h et 8h30. Voilà, c'est ça. Elle sera le lendemain, le mardi, en tournage pour TF1. Et elle sera également le 25 octobre en dédicace au Galerie Lafayette d'Orléans. Et alors ça, c'est uniquement les trois rendez-vous pour une dédicace la famille. Donc inutile de vous dire que l'agenda va s'accélérer. Prenez déjà des notes, hein, les parents des futurs candidats, peut-être une Miss. Voilà, merci beaucoup, Delphine. Autre chose à ajouter ? Bonne chance à toutes les candidates et merci de leur faire un accueil chaleureux après mon passage. Merci beaucoup, merci. Merci, merci Bouchon. Miss Orléans 2000. Merci beaucoup, Delphine. Vous voyez, les années ont passé, hein, mais le souvenir reste intact et le bus ne change pas. Je vous demande encore une nouvelle fois si vous pouvez les applaudir. Allez, juste avant de découvrir nos Miss, sans aucune transition de prévu ni d'écrite, je vous propose de découvrir et de vous détailler plus précisément les cadeaux avec lesquels repartiront les candidates de ce soir. Et puis juste après, on retrouvera les 14 finalistes de l'élection de Miss Orléanais, habillés par la maison Charlotte Nageville, société française, je le rappelle, numéro 1 distribution Nageville et de vente à domicile, qui est représentée par Nathalie Bocacha, que nous saluons dans cette salle. Voici, sous vos applaudissements, les 14 candidates finalistes au titre de Miss Orléanais. Thank you.
Orléanaise du 14e, 15e mouvement, terminé, 4 d'entre elles repartiront avec un titre. L'émission deviendra votre ambassadrice lors de l'élection nationale du 6 décembre pour Miss France 2015. Je vous demande, s'il vous plaît, de les applaudir très très fort. 2014, pour les applaudir, Miss Orléanaise. Voilà, c'est tout cette vague d'applaudissements qu'on vous accompagne. Merci beaucoup, mesdemoiselles, merci. Voilà, applaudissements, s'il vous plaît, merci à vous. On vous retrouve tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup.